Bonsoir à toutes, ce soir match exceptionnel, il n'y aura pas d'équipe en bleu, pas d'équipe en blanc, puisque comme vous le voyez en ce moment, les joueurs vont jouer torse nu, pour vous mesdemoiselles, pour vous mesdames. Et voilà le match qui commence, et le réalisateur qui s'attarde sur les abdos de l'attaquant, quelle musculature parfaite! Ouais, c'est vrai qu'il prend bien soin de lui là en ce moment. Regardez ses cheveux impeccables et cette barbe volontairement négligée. Effectivement Pierre, je pense qu'il y a pas mal de filles là qui remplaceraient bien leurs petits copains. Pour avoir ce genre de mec à la maison. Alors petite précision quand même, il faut savoir qu'exceptionnellement pour ce match, la Ligue a décidé de supprimer la règle du hors-jeu, puisque vous étiez nombreuses à ne pas la comprendre. Et on arrive maintenant à la question du jour, pour avoir la chance de remporter une parure de bijoux en émeraude. Quel secret cache Derek dans la saison 1 de Grey's Anatomy? Réponse A, il est marié. Réponse B, il est papa d'une petite fille. C'est vrai que ça n'a pas vraiment de rapport avec le monde du football, mais on n'est pas des bâtards avec vous, mesdemoiselles. Il la passe dans la surface et c'est le but. C'est le but, le joueur qui entame une danse sur la barre de corner et qui nous fait un véritable striptease. C'est incroyable. Et voilà, coup de sifflet final. Nicolas, notre journaliste, va essayer de poser quelques questions aux joueurs. Antoine, s'il vous plaît, Antoine, vous venez de faire gagner votre équipe. Vous allez avoir une prime assez colossale. La question que toutes les téléspectatrices se posent, êtes-vous célibataire? Oui, c'est vrai que je viens de me séparer de ma copine. Je suis quelqu'un d'assez sentimental et j'aimerais rencontrer une fille qui puisse m'aimer comme je suis. Mon numéro, c'est 06 20 98 30 78. Voilà, n'hésitez pas. Merci Antoine, merci Nicolas, nous rendons l'antenne et à très bientôt mesdemoiselles, mesdames, pour une rencontre tout aussi palpitante. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et Cross qui sera en spectacle les vendredis de mai et juin à la Nouvelle Scène à Paris, du 5 au 9 mai à Nantes et du 3 au 6 juin à Lyon.